Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Sam Hospital et vous savez déjà, je suis la chaîne 2, je suis le Russo 225. Voilà, donc je suis là aujourd'hui juste pour vous présenter la bourse de la Slovaquie. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, c'est juste une information. Donc essayez de postuler, voilà, il y a le master, le doctorat et puis même les enseignants, voilà, peuvent aussi postuler. Ceux qui sont déjà certifiés, ceux qui ont déjà un job peuvent postuler à cette bourse là. Et n'oubliez pas ce qui est très important, la date limite c'est le 31 octobre. Voilà, donc c'est déjà arrivé dans moins de 2 semaines ou bien en 2 semaines. Voilà, donc essayez de postuler si vous avez vraiment envie. Et surtout, je voulais aussi dire à ceux qui n'ont pas encore le certificat de langue d'aller vraiment en chercher, parce que ici aussi vous devez postuler avec les éléments en anglais ou bien en slovaque. Voilà, vos documents doivent être en anglais ou en slovaque. Donc ici, pour pouvoir postuler cette bourse là, c'est très simple et puis très très particulier aussi. Il faut seulement aller dans présenter une demande. Voilà, vous cliquez sur présenter une demande et vous allez voir les trois types de demandes ici. Voilà. Et là, par exemple, comme ça, candidature pour les étudiants, c'est là, et pour les doctorants, c'est là aussi, et puis pour les professeurs, chercheurs d'université aussi, c'est là. Voilà, donc, étant donné que nous venons en tant qu'étudiants, nous allons choisir la partie candidature. Donc, si vous lisez candidature des étudiants, si vous lisez bien ici, les candidats sont autorisés à soumettre, à remplir les documents et les pièces jointes requises en slovaque ou en anglais. Vous comprenez? Les documents rédigés dans autre langue doivent être officiellement traduits en slovaque ou en anglais, tandis que les traductions peuvent être certifiées par la même institution qui a émis le document respectif. Vous comprenez? Donc, est-ce que je vous disais l'autre fois, voilà, ceux qui vont traduire les documents, ne donnez pas à des structures dans le hasard. Voilà, essayez de donner de donner aux structures qui sont déjà certifiées pour pouvoir traduire vos dossiers, voilà, et mettre le tampon. Voilà, excusez-moi, donc c'est un peu ça, et mettre le tampon. Voilà, donc pour pouvoir postuler à cette bourse là, il faudra aussi traduire tous vos documents en anglais. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, pour pouvoir postuler, nous venons dans candidature pour les étudiants. Ici, nous cliquons sur candidature des étudiants. Vous allez voir que pour le moment, vous n'avez pas de compte, donc vous devez forcément créer votre compte en vous enregistrant ici. Registration, voilà, vous vous enregistrez. Ok, donc pour vous enregistrer, c'est un peu plus simple. Voilà tous les éléments que vous avez besoin pour vous enregistrer, c'est-à-dire votre nom. Moi, je vais prendre ce qu'elle a. Votre nom, je pense qu'elle a. Votre degré, votre nom, ça c'est pas vraiment important. Après ça, la date de naissance aussi. Je vais mettre la date de naissance. Je prends le 8. Je viens pour par exemple le master. Donc je vais prendre comme si je suis né en 2003. Le 5 février 2003, la place de naissance, je vais prendre Abidjan. Ok, et après ça, je mets mon mot de passe. Je vais utiliser ce qu'il y a là. Ok, et ici il y a 93. Ah, ok, donc on va essayer de s'enregistrer. S'il y a un souci, ils vont nous dire qu'on puisse rectifier. Donc, vous avez bien été enregistré, vos informations de connexion sont envoyées à votre email. Voilà, donc le nom et le prénom de la nationalité, la date de naissance doivent être indiqués comme indiqué sur votre passeport. Lorsque vous remplissez le formulaire
d'inscription, veuillez utiliser l'alphabet latin, sauf indication contraire. Si vos données personnelles sont généralement indiquées en alphabet latin, veuillez les indiquer comme utilisées officiellement. Si vos données personnelles sont généralement indiquées dans un autre type d'alphabet, veuillez utiliser la translittération. Veuillez utiliser la translittération en alphabet latin comme indiqué dans votre passeport. Voilà, donc ça c'est pas un problème pour vous. Voilà, donc une fois qu'on finit là, qu'est-ce qu'on fait? On vient s'identifier et pouvoir postuler. Voilà, donc vous venez là. Moi c'est parce que j'enregistre directement. Voilà, donc je clique sur connexion pour aller sur la plateforme où je peux postuler à l'admission et à la bourse. Vous comprenez? Voilà, donc étudiant en master, vous comprenez? Voilà, et la date limite c'est le 31 octobre à 16h. Donc arrivé là, vous devez remplir tous ces éléments là afin de pouvoir postuler. Voilà, donc je vais faire une deuxième vidéo tout à l'heure. Voilà, je vais faire une deuxième vidéo rapidement pour vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir remplir tous ces éléments-là. Donc, les gars, à tout à l'heure.